Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 16, la carrière avec le Red Star, le lapsus quoi, la carrière avec le Red Star. Donc on se retrouve pour le début de cette saison 2, donc on a commencé en live, on a déjà fait deux épisodes en live, pour finir le mercato est bouclé, nous sommes le 17 septembre. Donc je vais récapituler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors on a fait notre coupe internationale, voilà, tranquillement, on a gagné 2-0 contre Ipswich. On a gagné ensuite 2-0 contre l'Académica, je crois qu'on l'a dit. Académica. Ensuite, on a gagné 2-1 face à Majorque. On a gagné 1-0 face à Wigan en demi-finale. Et on a gagné la finale 2-0 face à Majorque. Donc voilà, on a gagné la coupe. Ça nous a permis de doubler notre budget transfert. Ensuite, on a fait un bon début de championnat avec une victoire face à Bastia. Ensuite, c'était un peu moins bon, la petite défaite face au Stade Malherbe de Caen. Ensuite, le match nul à l'extérieur contre Monaco, alors que Monaco a pris un rouge de la 20-25e minute, un truc comme ça, 25-27e minute. Donc on aurait pu, on aurait mérité de marquer, mais on n'a pas marqué, on n'a pas pu mettre un but de plus. Et ensuite on a gagné contre le LOSC un petit but à 0. Et là on a fait une belle victoire 3-0, on sort une belle victoire 3-0 face à Lorient. Et dans cet épisode, on va faire un match contre le TFC et un match contre Paris, forcément, puisqu'il faut bien qu'on se les fasse. On va les faire dans un épisode. On peut voir d'abord au niveau des recrutements, tiens, qu'est-ce qu'on a fait ? Très très bonne question. Donc il y a plein de gens qui ont rejoint le club. On avait Pinares, Graciani, Marian, Silvao, et voilà, on avait déjà prévu ça en pré-contrat. Donc ça, ce sont quand même des bons joueurs qu'on a pris. J'ai acheté Thiam à Monaco, j'ai acheté JCP à Monaco aussi, j'ai acheté Coeds à un club, voilà, je l'ai acheté 700 000 euros. Diego, donc je l'avais eu en pré-contrat aussi. J'ai acheté Jacob, le milieu défensif du Stade Brestois, pour 500 000 plus Diaz. J'ai acheté... Manea, je l'ai acheté 800 000 plus un autre joueur, un petit joueur, je ne me souviens même plus qui. J'ai vendu Kevin Lefay à Ajaccio. J'ai acheté Ben Haïm à Bastia pour 500 000 euros, plus un autre joueur, je crois. Et on avait acheté Kaloulou pendant le premier live, Kaloulou à Lyon. Et on avait acheté, j'ai acheté un gardien aussi, 300 000 et un autre joueur, je ne me souviens plus qui, Alastra, donc. Le gardien Alastra. Qui potentiellement pourra remplacer, planter plus tard. Quand planté, ben, il se sera planté. Non, comme il a déjà 35 ans. Et du coup, voilà, il me reste juste Alain et Alstra. Alastra, donc il a 18 ans, il est tout jeune. Voilà, donc voilà notre équipe avec laquelle on va faire au moins la moitié de saison. Après, on verra bien si on peut avoir plus. On est toujours resté dans la même formation, en 4-4-2, en losange. Et on va jouer donc contre le TFC. On joue à domicile. Ah, il est bien le troisième maillot du TFC. On va les faire jouer en couleur extérieure. Même si c'est pas gênant leur couleur domicile, non, c'est pas gênant. Et tout le monde va bien, donc on a pas de changement. Cross sur le banc parce qu'on a lui qui est titulaire. Pastos, il a quel âge? Il a 26. Et Cross, il a quel âge? Il a 24. Alors, on va faire jouer Cross. Même s'il a une flèche vers le bas. Sampao au milieu. Diego, il est pas mal, malgré 167 de général. Il est plutôt pas mal. Pinares aussi est plutôt intéressant. Allez, on va y aller comme ça. Et on verra bien pendant le match comment ça va se passer. Allez, le petit mini-jeu du coup de pied arrêté. Ça passe au-dessus. Il y avait un bel effet. Non, c'est pas du tout pareil que je voulais. Bienvenue à tous. Allez. Bienvenue Franck. Je vois que vous êtes très voyant. Match contre le TFC. Ragatin capitaine, non ? On ne reconnaît pas trop les joueurs de TFC. On va un peu les modéliser quand même.
Faut pas non plus déconner. On est la meilleure défense devant l'OM. On a encaissé 2 buts. C'est déjà pas mal de buts. Hein. Allez, on va se méfier de cette équipe de Toulouse. C'est Agatin le capitaine, je ne sais pas. Oh, quelle frappe! Quelle frappe! Voilà, là, 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 là. Deuxième frappe. Merci à la passe tout à fait moisie de mon joueur. Et on va se faire totalement dominer dans ce match. On va se faire marcher dessus par Toulouse. Retour. Non, c'était pas pour là la passe. C'était pas pour là. C'était pour Boykan. Il va jouer sur le côté. Il va jouer sur le côté. Allez. Pierrick Cross. On va jouer avec Sliti. L'appel de Bamba qui ne vient pas. La passe pour Salvio. La frappe de Salvio. Salvino, pardon. Chaque fois. Je l'appelle Salvio, le pauvre. C'est pas grave, il va avoir l'habitude à la fin de la saison. Il va changer ses papiers de sécurité sociale. Doumbia, on aura du mal à le bouger. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération. Le contre favorable qui fait plaisir. Une multitude de passes, on cherche la faille manifestement. Surtout on pousse pas assez. Ça sent le but, ça sent le but. Ça sent le but. Ouais, bien joué. Quelle belle défense. Quelle belle défense. Mais ça sentait le but. On va en prendre un, c'est obligé. Allez, Salvio qui est censé être rapide. Mais là, il a perdu toute sa vitesse. Bamba! Bamba le poteau. Commence à avoir l'habitude. Les occasions ratées, Bamba. Fait un début de saison assez moyen. On l'a vu en live. Il n'a pas été terrible, terrible. Il m'a raté beaucoup de choses inratables. Allez. On va se concentrer. Bon, mais c'est quoi cette passe? Quelle passe totalement démesurée. Le mec, il a pensé que Chavalerin, c'était une fusée. C'est qu'il joue bien, les Toulousains. Allez, touche pour nous. Bamba. Wow. Le tacle assez bizarre. Et là voilà. Toulouse qui contre-attaque et mes milieux qui redescendent pas. Mes milieux qui ne redescendent pas, ils s'obstinent à rester devant. Ça arrive souvent. On a pris des buts à cause de ça en plus. Si tu les mets pas en défensif, ils restent tout le temps devant. Les joueurs sont de retour pour cette seconde période. Donc on va passer en ultra def parce que je crains le contre toulousain. Ça joue collectif, hein.
Et le gardien qui fait le double arrêt. Mais après, les frappes n'étaient pas du tout... pas du tout inquiétantes. Donc c'est sûr qu'avec des frappes pas inquiétantes, on risque pas d'inquiéter grand monde. La frappe, c'est contré. Chavalerin. On va faire des petits changements. Ah oui, c'est vrai que Toulouse a acheté DMC. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour acheter DMC? Ça, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Ça. Prochain match, on va le jouer donc contre Paris. Et là, ça va être une autre paire de manches. On risque de souffrir sérieusement. Ça, c'est con, Sletty. T'aurais juste fait ton contrôle un petit peu différemment. T'aurais pu éviter le défenseur. Mais t'as choisi de lui rentrer dedans. La mauvaise solution, comme d'habitude. Allez, on va faire des changements, parce que ça va pas. Sampao, invisible. On va faire entrer Diego. On va faire entrer Marion, qui a plus de vitesse. Ou alors je fais sortir Bamba, qui est pas terrible non plus. Chavalerin, il manque un petit peu de... On va échanger. Et on va faire entrer... Merde. Ah oui, j'ai déjà fait mes changements. Désolé. Attends pour voir. On n'a pas droit à plus de 3 changements. Je me posais justement la question à Henri parce que pour moi c'était quasiment du 50-50. D'accord. Ça c'est la récupération ultra chanceuse. Allez. Allez Marion. Allez Marion. Et ça passe. Ça passe, ouverture du score de Marion à la 75e, la bonne rentrée. Sur cette perte de balle. Il était tout seul. Allez, maintenant ils vont jouer en mode ultra offensif. En face, ça va jouer l'offensive. Wow. C'était bien joué. Bien joué, planté. Allez, Marion, qui n'arrive pas à se défaire. Et Marion qui fait des épaules, des appels tel un fou. Wow. Écoutez les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Allez, grosse ambiance ici en effet. Il y a peut-être un bon coup. Allez, le contre. Il sait pas se jeter, Salvino. La faute totalement abusée. La faute totalement abusée.
Ah, j'ai cru quand même, c'est fait une deuxième faute et c'est la victoire 1-0, courte victoire contre Toulouse. C'était tendu le but de Marion. C'est un match assez équilibré quand même, c'est un match assez équilibré, on s'en sort bien. Conférence de presse, ouais, on va jouer contre Paris. On est 3ème de Ligue 1, 18 points déjà Paris. On va faire progresser un petit peu les jeunes. Même si Pinares n'est plus tout jeune non plus. Thiam qui passe à 70, c'est bien. Coetzee qui passe à 69. Je sais pas si on va pas le faire titulariser, Thiam. Qu'on mettrait pas Boeken à la place de Sampaou. Parce que Sampaou, je le trouve de plus en plus inexistant. Hop. Voilà. Allez, on va avancer. Pour le prochain match. Marion qui veut jouer. D'accord. Donc il veut peut-être partir, Slitis, comme tu veux, mon petit loulou. C'est toi qui vois, mais tu te décides. Allez, on va jouer contre Paris. Marion qui veut jouer, il va jouer à la place de Silvino, qui est un peu fatigué. Slity un peu fatigué. Pinares va jouer à la place. Qu'est-ce qu'on va mettre en milieu? JCP peut-être, un peu meilleur passeur. Bamba, Marion, Cross. Pas là, un peu fatigué, mais tant pis, il va rester là. Allez, on va prendre cher contre Paris. Je sens qu'on va prendre cher, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer contre Paris. En plus, on joue là-bas. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct du Parc des Princes. Salut Franck. Salut Hervé, salut à tous. Et au Parc des Princes, on va essayer de... On va chercher le point du match nul. Ça serait déjà bien, match nul. On est quatrième. Ah, bah, 6 matchs, 6 victoires pour Paris. Le bilan parfait. Et on va tenter de survivre face à Paris. Lavezzi qui est dans les meilleurs buteurs. Il est là, on le reconnaît, il est bien fait. Donc une bonne équipe. Voilà, sauf que devant. Bombadilla, je connais pas. Je suis pas un expert du Paris Saint-Germain non plus. Hein. C'est un joueur qui me dit rien. Enfin, je sais pas, ce nom-là, ça me dit rien. Notre équipe à nous. Bien plus modeste. Qui coûte moins cher en même temps. Le premier rencontre le quatrième, ça donne forcément un match intéressant, même si nous n'en sommes qu'au début du championnat. Allez. Déjà, on va direct se passer en ultra def. Parce que de toute façon, il n'y aura que ça à faire. Allez, Thiam. Pinares, non. Oh là là. Dommage. C'était dommage, ça. Le contrôle qui était pas assez rapide. Allez, Bamba. Ah, dommage. C'est ultra dommage, ça.
Parce que là, il y avait l'occasion de faire quelque chose, là. Le défenseur était parti aux fraises. Et c'est Marion qui n'était pas allé au pressing, qui n'était pas allé devant. Ce sera une touche pour le PSG. Bien joué. Serge Aurier. Wow. Il vient de subtiliser le ballon. C'est pas pour là que j'avais demandé la passe. Non. Attaque très propre, une belle interception. Jessipi. Lloyd Palin. Allez. Allez, bien joué. Bien joué. Vas-y, Amieux. Vas-y, Amieux. Vas-y, Amieux. Il se fait rattraper à la vitesse. Ah non. Tout le monde s'est barré. La frappe. Oh, c'était bien joué. C'était bien joué. C'était bien joué. On a fait une frappe. Non, 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 putain, il a oublié le plus facile, il a oublié de faire, le crochet, c'était le plus simple, non, et en plus tu lui laisses le ballon. Allez, Pinares, il est tout seul, Pinares. La frappe directement dans les bras de Trapp, forcément quand on tire en plein dedans, c'est plus facile pour le gardien. Ah putain, Marion, tu déconnes. Allez, bien joué. La passe, elle est pas terrible. La frappe de Marion. C'était bien joué. Le bel arrêt de Trapp. C'était notre meilleure occasion. Digne. Pour l'instant, on fait un bon match. Un match digne. D'ailleurs, Digne, qu'est-ce qu'il fout là? Ah, mais il est prêté, je crois, non? Il est censé être prêté, non? Bon, pour l'instant, on fait un bon match. On a tiré 3 fois 2 cadrés. C'était pas des frappes terribles. Sauf la deuxième, peut-être, de Marion, là, qui était plutôt pas mal. Qui était côté premier poteau. Qui aurait pu être. Qui aurait pu être une bonne. Une bonne occasion. Ouais, sauf que j'ai Bamba qui s'est barré de son côté. Ouais, non, et Bamba qui va même pas chercher le ballon. La frappe de Thiam directement sur le gardien. Allez. Je connais pas ce joueur devant. Ah, Zlatan. Zlatan est entré. On va prendre cher. On va se faire Zlataner. Non, putain. C'est quoi ce contrôle foireux? Non, c'est quoi cette passe de merde? C'était le plus facile à faire, la passe, mais. Parce que Marion, il a la vitesse. Ça doit être l'un des joueurs les plus rapides que je puisse avoir.
tu dis. La réussite. Ça combine bien là, ça combine bien. Ah, Bamba. Non. Il a pas le droit. Non, oh, c'est pas vrai. Pourquoi j'y vais pas tout seul aussi? Oh, le penalty. Le penalty. Le penalty. Le penalty, monsieur l'arbitre, il me siffle pas le penalty. Il me siffle pas le penalty alors qu'il tacle sur mes genoux. Même pas, c'est même pas mes genoux, il tacle sur mes chevilles. Bon, allez, ça fait but, ça fait but. Ça fait but. Allez. Je suis un petit peu dégoûté parce qu'on fait un bon match. On mérite pas du tout de prendre un but. Bamba, il va sortir parce qu'il est mauvais. Chego, il va rentrer à la place de Pi. Et c'est tout, on a fait tous les changements. Voilà, on pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas l'arrêter, bon, en même temps il fallait s'y attendre. Une équipe mille fois plus forte que nous. Mais bon, on avait bien résisté. Mais bon, il y avait quand même un petit accrochage dans la surface, hein, je suis désolé. Hein. Ah non, comment il peut lui prendre le ballon? Comment il peut lui prendre le ballon? Comment il a pu lui prendre le ballon? C'est pas possible. En passant de l'ultra off. Dire que le résultat n'est pas très logique pour cette équipe qui n'a pas montré grand chose. Bah ouais. Jouer vraiment en dessous de son niveau normal. Effectivement. Allez les gars, là, on se met en mode boost de la mort là. C'est quand même une belle frappe. J'en lui veux pas, Diego. Bon, c'est un petit peu. C'est un peu abusé. Un match nul, j'aurais pas dit, mais. D'accord. Et c'est la défaite. La défaite injuste. La défaite injuste, il faut être honnête. La défaite injuste, on aurait mérité un match nul. Voilà, parce qu'ils ont absolument rien fait à part leur tir. Tant pis, c'est comme ça. Hein. Bon, mais tant pis. Ouais, on va dire que t'as été pas trop mauvais. Bon, du coup, on est quatrième. Bon, c'est pas grave, hein. C'est toujours bien. Hein. C'est toujours bien. Ça nous fait notre deuxième défaite. Ouais, parce qu'on avait perdu contre Caen. Allez, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et n'oubliez pas d'aller voir les partenaires aussi, Game Planet. Voilà, et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de cette aventure sur FIFA 16, pardon, avec le Red Star, encore un lapsus, donc sur FIFA 16 avec le Red Star. Allez, ciao.